Quelquefois, on se plaint un petit peu d'éloigner un peu de Nantes et de la décision nantaise, que ce soit au niveau de l'État, de la préfecture régionale ou du conseil régional. Mais vous savez, je ne m'attends pas non plus à ce qu'on me dise que s'il y a un changement, un redécoupage de région, que le siège de la future région sera au Mans ou dans la Sarthe. Donc, de toute façon, il y aura malgré tout un éloignement, peut-être moins grand, j'en sais rien. Mais là aussi, qu'on veuille revoir, moi ça ne me gêne pas, le nombre de régions, même le nombre de départements, pourquoi pas. Mais soyons prudents. Et puis, ce qui est plutôt assez cocasse, c'est qu'on revient donc au rapport Balladur, il y a quelques années de cela, qui a été contesté violemment par la gauche à l'époque. Et aujourd'hui, on reprend le rapport Balladur pour le remettre sur la table. Bon, bah écoutez. On va voir, mais je pense que là aussi, il faut faire attention, il faut y aller progressivement. Et surtout, je le dis, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie par rapport à nos concitoyens. Parce que vous savez, ils restent attachés, qu'on veuille ou non, donc aux communes, même s'il y a beaucoup de grandes communes dans notre pays, mais ils sont attachés à leurs communes. C'est pour ça qu'avant de faire des grandes déclarations d'intention, bah, je crois qu'il faut laisser aux collectivités, aux élus qui sont en place, eh bien, qui ne sont quand même pas tous des idiots, eh bien, travailler intelligemment. C'est ce que nous faisons dans les Pays de la Loire. Je peux vous dire qu'avec les 5 départements, même s'il y a des sensibilités différentes, on travaille intelligemment. Et puis peut-être qu'un jour, naturellement, ça se fera. Il y aura peut-être des regroupements officiels qui se feront. Mais ce n'est pas en y allant au pas de charge et à la hache qu'on réussira en tous les cas à faire évoluer les choses.